Bonjour, bonjour. On est quoi aujourd'hui? On est lundi 16 octobre. Là, je suis dans mon village. Là, je vais prendre le bus. Il y a un vent. Il y a le vent. Il fait frais, hein? Il fait frais. Ben, j'attends le bus, là. Je suis à l'arrêt de bus. Ça, c'est le village où j'habite. C'est un village, comme j'ai dit la dernière fois, il est à 12 km d'Aix-en-Provence. Et voilà, donc c'est par là. Je suis en train d'attendre le bus, voilà. Les gens qui attendent. Excusez-moi. Mais donc par là, non. Attendez, je vais vous montrer un peu. Et par là, donc, regardez, et voilà, et voilà, et voilà. Et par là-bas, donc il y a la poste, il y a la mairie par là-bas. Voilà. Voilà, c'est le petit village où j'habite. Et donc j'ai dit, j'attends, il fait frais, hein. Il fait frais le matin et en plus, c'est le Mistral. Il y a le vent qui souffle aujourd'hui. Un petit peu de fraîcheur. Voilà, je suis à l'arrêt de bus. Voilà, c'est juste un petit coucou. Ce chat, à chaque fois que je suis à l'arrêt de bus, il est là. Il est noir. J'aime bien ce chat. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Il est noir. Chez nous, on dit un chat noir, il porte la poise. Mais bon, moi, j'y crois pas à ça. Au final. Et voilà, je suis à l'arrêt. Voilà, c'est le confinement. C'est toujours le confinement, mais bon, j'ai des rendez-vous, moi. J'ai des rendez-vous sur Aix et donc je serai dans l'obligation de partir. Voilà, j'ai préparé mon attestation de sortie. Et là, j'attends le bus. Et voilà. C'est frais quand même. Là, c'est la bibliothèque du village. Voilà, c'est calme. Là-bas, un jour, je vais filmer là-haut. Là où il y a le château. Voilà, c'était juste pour vous dire coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout, moi je pense surtout à tous les Algériens, c'est vrai que je pense à ma famille en Algérie et je pense aussi à tous mes Algériens parce que Algérien. Moi j'aime bien les gens qui tiennent à leurs origines, voilà. Algérienne, voilà, j'ai une pensée, je pense bzef à mes frères et mes sœurs en Algérie, donc tous les Algériens, je pense à vous, je sais que c'est difficile, je sais qu'il n'y a pas les moyens, hier déjà je parlais avec ma sœur, elle est sur Alger, et elle me dit, je lui dis, j'ai fait le test Covid, c'était négatif, bon, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, le PCR, elle m'a dit, le PCR c'est cher en Algérie, elle me dit, il coûte 10 000 dirhams, million, elle m'a dit plus que ça. Alors qu'ici en France, qu'ici, là où j'habite moi, ben on a pris rendez-vous, c'était le jeu, on a pris rendez-vous pour vendredi. Vendredi, ils m'ont envoyé les résultats samedi soir, j'ai reçu les résultats sur ma boîte mail. Et la dernière fois, donc c'est gratuit, et la dernière fois à Aix, en Provence, je vais filmer aujourd'hui, si je vais les voir encore, eh ben, ils ont installé une tente et les gens ils viennent sans payer, sans ordonnance, pour passer le test du Covid-19 donc, et le test PCR. Donc c'est tout le monde, il est à la portée de tout le monde. Donc ça me fait mal pour mes concitoyens et pour toute l'Algérie, ça me fait mal, avec tout l'argent qu'il y a en Algérie, mais bon. Le bus il est là, je vous dis bisous, ciao, bonne journée, on se retrouvera après, allez, bis, ciao.